Yo les gars, c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FC24 et un nouveau build. Donc cette fois-ci, on s'attaque au grand buteur. Donc après toutes les mises à jour qu'il y a eu, ça a un tout petit peu changé. Pas des masses, vous verrez. Mais je tenais quand même à vous le représenter pour ceux qui l'auraient pas vu. Donc, grand buteur qui dit grande taille forcément. Donc pour le poste buteur, 1m97, 67 kilos. Donc vous voyez qu'on reste quand même assez léger, c'est pas un buteur très solide, même si on va tout faire pour, vous verrez. Pour ce qui est des styles de jeu, on commence avec tête puissante plus, forcément, grande taille, c'est pour mettre des têtes, vous le savez. Et duel aérien plus, ça va vous permettre de sauter plus haut que tout le monde, comme Cristiano Ronaldo. Ensuite, passe incisive et tiki-taka, très important, comme on sert un petit peu de point d'appui vu qu'on est grand. Ça va pas forcément être la profondeur, notre priorité, mais plutôt de s'appuyer sur les milieux ou alors de faire partir les ailiers. Ensuite, résiste au pressing. Comme je vous l'ai dit, on est un petit peu léger, donc faut bien protéger son ballon. Et ça va nous aider. On a également rapide et foulée rapide pour, même si on est grand, être rapide et avoir cette faculté d'être plus rapide que le défenseur. Et enfin, acrobatique, très bien parce que selon où arrive le ballon sur le centre, vous verrez que ça va automatiquement vous faire que ce soit une retournée, une reprise de volée, une tête. En tout cas, ce sera la meilleure chose à faire et ça va vous le faire automatiquement, quasiment. Ensuite, pour ce qui est des attributs, on commence avec la vitesse. Je vous l'ai dit, faut qu'on reste rapide. Malheureusement, le jeu, il veut ça. Donc, 84 en accélération et 87 en vitesse, on a tout mis. Donc c'est vraiment pas mal hein, pour un mec d'1m97, je rappelle. Pour ce qui est des tirs, on a les 5 étoiles de mauvais pied, on a l'archétype finition et on a beaucoup de têtes et volées et de volées. Ça nous fait du coup avoir les 5 étoiles, comme je l'ai dit. Puissance de frappe plutôt 85, 96 en finition, 92 en précision de tête. 84 en tir de loin et 97 en volée. Donc là, c'est énorme. Je peux vous dire que quand elle vous arrive dessus, vous pouvez tout faire, que ce soit des volées, des têtes, n'importe quoi et n'importe quel pied, ce sera dedans. Ensuite, au niveau des passes, rien. On l'a vu, on a deux styles de jeu dans les passes et ça nous suffit amplement en tant que buteur. Pas besoin de se cramer des points là-dedans. Pour ce qui est des dribbles, on a mis un petit peu d'agilité, un petit peu de dribble pour avoir une conduite de balle, on va dire, ouais, correct. Donc là, ça reste correct. 76 en dribble. On a un petit peu d'équilibre, 75. Voilà, pour tenir debout, en plus de résister au pressing. Ça fait un bon complément. 3 agilités en tout. Ça nous fait 68. Donc c'est pas dégueu. Vous inquiétez pas, vous allez pas être trop mou non plus. Et enfin, on finit par le physique. Là, on a tout, sauf les deux agressivités. Donc pas mal de réactivité. Ça nous fait 95. C'est énorme quand même. Franchement, vous allez être le premier sur les ballons partout, peu importe où il est. L'archétype puissance qui nous permet d'avoir du coup 92 en force et 84 en agressivité, c'est vraiment très bien ça. Et de l'autre côté, on a plutôt la détente et l'endurance avec l'archétype acrobate qui nous fait avoir du coup 84 en détente et 89 en endurance. Donc vraiment la partie physique, vous êtes un monstre. Regardez, hein, c'est du 84 minimum. 84 en détente, c'est énorme pour un mec d'1m97. Donc vraiment, voilà, je vous refais un petit tour. Mais vous inquiétez pas qu'avec ça, vous allez plus rater de ballon, que ce soit de la tête, des volets, n'importe quoi, les gars. Voilà pour ce build. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous aimeriez voir. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et surtout activer la cloche. Et moi, je vous dis à la prochaine.